له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, dans de nombreux hadiths, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui allait toucher sa communauté à la fin des temps comme grand trouble et énorme épreuve. Et la nation musulmane a connu à travers sa longue histoire des grandes fitnes et des troubles et des épreuves. Et parmi les plus durs troubles et les plus féroces et les plus violents pour les musulmans, cette grande fitna contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et l'a décrite de manière claire. Nous sommes parvenus à ce sujet plusieurs dizaines de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam clairs et authentiques. Cette fitna, ce trouble est le trouble des khawarij. Chers croyants, la fitna des khawarij contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a décrits de la pire des manières. Il a dit sur ces gens-là ce qu'il n'a pas dit sur un autre groupe s'affiliant à l'islam. Mais qui sont donc ces khawarij? Quelles sont leurs caractéristiques et quel est le statut d'Allah et de son messager sur eux? Chers musulmans, les khawarij sont ceux qui considèrent comme mécréants les musulmans comme étant des grands péchés. Ensuite, considèrent licite leur sang, leurs biens et leurs épouses. Et ce sont ceux-là également qui combattent les dirigeants musulmans avec les armes. Leur trouble est parmi les plus grands troubles. Pourquoi? Car ces gens-là, ils déguisent leurs crimes par le vêtement de la religion, par le vêtement du jihad, par le vêtement de la condamnation du blâmable, par le vêtement de la jalousie pour cette religion. Et de ce fait, les cœurs des jeunes et des ignorants sont attirés vers eux et ils les guident vers leur perte ici-bas avant l'au-delà. Donc combien ont-ils commis de catastrophes et calamités dans la communauté musulmane à travers les siècles, avant même de semer le désordre chez les non-musulmans? Ils ont souillé la religion et la vie des gens. Ils détruisent les villes entières et sèment la terreur auprès des humains. Ils sont à l'encontre de la croyance des gens de la Sunna et du consensus. 90% des victimes de Daesh sont en réalité les musulmans, avant même que ce soit les non-musulmans. Et, chers frères et sœurs, selon Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de partager le butin de la bataille de Hunayn. C'est alors qu'un homme est venu, un homme appelé Dhu al-Khuwaysira, un homme aux yeux enfoncés, aux grosses pommettes, au front sortant, possédant une grande barbe, tête rasée et ayant retroussé son pagne. Il a dit, ô Mohammed, sois juste et adil, car tu n'as pas été juste dans la division donc de ce butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, malheur à toi, si je n'établis pas la justice, qui le fera alors? C'est alors que Omar se précipita et dit au prophète, puis-je lui trancher la tête pour ce qu'il t'a dit? Mais le prophète a dit, laisse-le, car il y a des gens avec lui, vous mépriserez votre prière en voyant la leur, et vous mépriserez votre jeûne en voyant le leur. Ils liront le Coran, mais sans que leur lecture ne descende plus bas que leur gosier. Ils s'éloignent de la religion à la vitesse de la flèche qui se dirige vers la cible. Leur signe, si vous voulez les reconnaître, il dit cela aux compagnons, leur signe est un homme noir. Un de ses bras ressemble à un sein d'une femme. Ils sortiront quand les gens se désuniront. Abu Saïd al-Khudri, donc celui qui a rapporté ce hadith, il dit, j'atteste avoir entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'atteste que Ali ibn Abi Talib a combattu al-Khawarij pendant la bataille de al-Nahrawan l'année 37 de l'Hégire. Et il dit, j'étais avec lui. Et à la fin de la bataille, il ordonna qu'on cherche cet homme.
qu'avait cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a apporté l'homme, et je l'ai observé, et il fut comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit. Chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran, dis au Mohammed, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? La réponse, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans son tafsir au sujet de ce verset que Ali ibn Abi Talib, le chef des croyants, Ad-Dahak et d'autres, ont dit ce sont Al-Haruriyah, c'est-à-dire ceux qui donc les plus grands perdants, c'est-à-dire Al-Khawarij. Un homme s'appelant Ibn al-Kawwa, parmi Al-Khawarij, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, un jour il est venu voir donc le chef des croyants, Ali ibn Abi Talib, et lui a dit, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire en disant les plus grands perdants en œuvre? Al-akhsarina a'mala. Faqala Ali ibn Abi Talib, anta wa ashabuk, c'est-à-dire toi et tes camarades. Chers frères et sœurs, également, parmi les grandes caractéristiques des Khawarij, le fait qu'ils parlent en mal et avec audace des savants de cette communauté et des meilleurs musulmans. Ils arrivent même à manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit leur ancêtre, Ya Muhammad et Adil. Ô Mohammed, sois juste. Donc cette audace face aux pieux serviteurs d'Allah et le mépris pour eux et leur non-respect pour les gens de science est une des grandes caractéristiques des Khawarij à toute époque, à travers les siècles. Et cette audace et ce non-respect restent de nos jours un de leurs signes clairs et cela les a menés à rendre licite le sang des meilleurs hommes et des communautés, les compagnons, radiyallahu anhum. Ils ont considéré les meilleurs hommes comme mécréants et se sont permis de les combattre. Ce sont eux qui ont osé tuer les deux califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Et quel plus grand égarement que celui-ci? Et qu'est-ce qui est plus dangereux pour l'islam et les musulmans que ces gens-là? Donc les Khawarij, sinon, comme vous le savez, les savants contemporains de l'islam ont jugé illicite ce type de crime depuis plusieurs décennies. Donc chers musulmans, observons maintenant les Khawarij de notre époque et ce qu'ils commettent comme crimes et désordres sur la terre. Et ce groupe de tyrans au Sham et en Irak, appelé Daesh, est un exemple parmi les Khawarij contemporains. Sinon, il y a d'autres groupes comme Al-Qaïda qui sont sur la même voie que ces gens-là. Donc ces Khawarij ont imposé à tous les musulmans de porter allégeance à leur soi-disant amir et ils ont rendu apostats tous ceux qui n'ont pas porté cette allégeance. Et ils s'autorisent donc de les éliminer. Donc pour ces gens-là, tous les gens de cette mosquée, de toutes les mosquées, tous les musulmans, la grande majorité des musulmans, ne sont plus musulmans, car ils ont refusé de porter allégeance à leur amir. Chers musulmans, sachez que les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a considérés parmi les ennemis de cette religion, et les a menacés, s'il avait été vivant, lors de leur apparition, qu'il allait les combattre comme les tribus de Aad et Thamoud. Donc Aad, ceux qui ont combattu Houd, et Thamoud, ceux qui ont combattu le prophète Saleh, alayhi salam. Ainsi, il est donc interdit aux musulmans de prendre comme alliés les ennemis d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si ces gens-là, en apparence, étendent l'étendard du jihad et prétendent défendre la religion d'Allah, car ils sont en réalité les premiers à détruire les bases de cette religion et à tuer les musulmans, et les exemples sont très nombreux en Irak et en Syrie. Et donc, à quel jihad appellent-ils et quelle religion défendent-ils alors qu'ils sont tous ignorants et pris de folie? À l'époque des premiers Khawarij, à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il n'y avait parmi eux aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montrait leur égarement. Pareil à notre époque, il n'y a personne avec ces gens-là parmi les savants de cette communauté, et beaucoup d'entre vous ont pu voir que ces gens-là égorgent leurs propres frères musulmans et les décapitent. Comment peut-on penser donc maintenant que ces Khawarij Daesh sont des mujahidines dans le sentier d'Allah, alors et qu'ils défendent cette religion? Ils n'ont ni secouru l'islam, ni l'islam n'a été secouru par ces gens. Ils sont cause de nombreux troubles et de désordres. Et nous avons pu voir ce qu'ils ont fait aux musulmans en Syrie qui ont refusé de prêter allégeance à leur prétendu amir. C'est pour cela
qu'il est important de combattre ce courant de pensée égarée et de mettre en garde contre lui et de le faire comprendre aux jeunes par tous les moyens. Cher serviteur d'Allah, tuer une âme sans suivre les règles de l'islam est totalement interdit, que cette âme soit musulmane ou non musulmane. Il y a des gens qui disent, ce n'était pas des musulmans, ce n'est pas grave. Là, tu n'as pas le droit de tuer une personne, qu'elle soit musulmane ou pas. L'Europe entière, chers musulmans, est en train de rentrer dans l'islam. Et plus précisément la France. La France est pleine de mosquées, walillahi alhamd, pleine de centres islamiques, pleine d'étudiants en sciences islamiques, de gens qui mémorisent le Coran. Et dans de nombreux pays européens, les musulmans sont la première minorité. La première minorité, donc il y a les chrétiens, et juste après, il y a les musulmans. Et des millions d'Européens entrent dans l'islam. C'est pour cela que certains chercheurs, faisant des statistiques, ils sonnent la sonnette d'alarme. Et ils disent à l'Europe de se réveiller. Car il se peut que dans une cinquantaine d'années, l'Europe soit majoritairement musulmane. Et donc à chaque fois que tu clignes de l'œil, sache qu'il y a un Européen qui embrasse l'islam. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a en France ou ailleurs une personne qui devient musulmane, wallah alhamd. Et donc avec ce type d'événement, les Européens risquent de faire augmenter, ou bien ces types d'événements risquent de faire augmenter l'islamophobie déjà présente. Et il se peut que des injustices atteignent des musulmans innocents. Donc craignez une fitna qui ne va pas atteindre que les injustes parmi vous. Il se peut qu'une personne innocente, à cause de ce type d'événement, soit victime donc de violence ou d'injustice. Et que des centres islamiques ferment, que la da'wa et les œuvres caritatives soient stoppées. Chers musulmans, ce qui s'est passé vendredi soir, comme attentats, suicides, meurtres, qui ont eu comme bilan à peu près 130 morts et des centaines de blessés, cela est une catastrophe et un acte blâmable. Et de nombreuses associations représentatives des musulmans ont condamné cela, ainsi que de nombreuses personnalités musulmanes en France comme à l'étranger. Néanmoins, les musulmans continuent à s'interroger. Pourquoi leur demande-t-on toujours de se justifier et d'exposer leur position lorsqu'un musulman commet une erreur? Allah nous dit dans le Coran, « Wa la taziru wa ziratu wizra ukhra » Personne ne portera le fardeau d'un autre. Alors que les musulmans ont déjà exposé leur position au mois de janvier dernier. Et plus encore, lorsque ces erreurs sont commises par des délinquants. Car lorsque l'identité de ces gens-là apparaît, on se rend compte que ces gens-là sont des délinquants, des voleurs, des toxicomanes, des gens qui consomment de l'alcool, un d'entre eux possède un bar, et on demande aux musulmans dans la mosquée de se justifier. Quel est notre lien avec ces gens-là? Ces gens-là n'ont aucun lien avec les mosquées. C'est pour ça que lorsque les journalistes vont dans les mosquées des villes dont sont issus ces gens-là, et qu'on demande aux gens des mosquées, les connaissez-vous? Personne d'entre eux ne les connaît. Ils ne les ont jamais vus à la mosquée. Et la plupart de ces jeunes sont perdus. Et ils sont incapables de faire une phrase correcte en arabe. Et ensuite, ils parlent des règles du jihad et ils statuent sur les musulmans qui sont sortis totalement de l'islam. Chers musulmans, ce qui s'est passé vendredi soir, comme terreur, peur, explosion, meurtre, coulée de sang, destruction et autres exemples de désordre, cela nous rappelle, chers musulmans, ce qui est le quotidien de millions de gens à travers le monde depuis des années. Comme nos frères à Gaza, en Palestine, comme nos frères en Libye, en Syrie depuis 4 ans, comme en Irak et en Afghanistan depuis plus de 10 ans, en Birmanie où les musulmans sont brûlés et dépecés vivants, et en Centrafrique où a eu lieu ce que nous avons tous pu voir. Allahu al-musta'an, sallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula, aj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها الإخوة الكرام ابتداء من اليوم إن شاء الله الأبواب وقت الصلاة ستغلق فالإنسان قد يأتي متأخر ويجد باب المسجد مغلقا يوم الجمعة لأسباب أمنية كما لا يخفى عليكم فالإنسان يحاول يتعاون معنا بارك الله فيكم يأتي مبكرا إلى المسجد لأنه قد يحرم من صلاة الجمعة فانظروا إلى يعني نتائج يعني هذه المشاكل وهذه الفتن donc à partir d'aujourd'hui inshallah à l'heure de la prière donc déjà la porte est fermée ici et même les grillages seront fermés donc à partir de l'iqama donc barakallahu fikum faites tous un effort personnel pour venir tôt à la mosquée car si la personne vient à l'heure de l'iqama il se peut qu'il vienne et trouve tout fermé et il manque jumu'ah donc on s'entraide entre nous barakallahu fikum on essaie de venir donc 10 minutes un quart d'heure 20 minutes à l'avance afin de faciliter à chacun jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in